Bon, j'ai pas mon équipement de vlog, les gars. Hein. Mais je viens de trouver mon ami. Namaste. Ah, yes. Very long time, long time. Long time. Yes. Bonjour les amis, voyez la vue, un petit peu de ruine, mais un beau décor en haut. Écoutez, on va passer une bonne journée. Donc ce matin, je vais aller explorer un petit peu les alentours de l'hôtel et à 2h, je rejoins Jagdish parce qu'il m'a invité à aller le voir. Alors une compétition, une pièce de théâtre, je ne sais plus trop. Mais en tout cas, ça va être sympa. On rejoint Jagdish cet après-midi. C'est une connaissance que j'ai fait à Rodez il y a de ça un an. Et c'est pour ça que je suis venu ici. Je sors directement de mon hôtel. Voilà, c'est la première fois que je me balade le jour dans la ville. Et me voilà immergé directement dans une rue qui bouillonne avec des magasins, des coups de klaxon partout. Bon, je suis désolé, j'ai pas le nom, je me suis pas renseigné. Là, je suis tombé là par hasard dans mon chemin qui me mène vers Jagdish cet après-midi. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, super sympa le gars que j'ai rencontré, qui m'a expliqué un petit peu. Bon, il voulait bien sûr me vendre aujourd'hui un mantra, un mandala, mais du coup moi ce que j'ai dit c'est que du coup je reviendrai à la fin de mon voyage pour prendre un qui m'expliquerait le sens, comme ça au moins quand je le ramènerai je pourrai expliquer aux gens ce qu'il veut dire et je l'accrocherai dans la chambre. Donc voici derrière moi un endroit qui était magnifique, que j'ai vu en photo. C'était un lac avec ce chemin qui y mène, avec une sorte de petit temple au milieu. C'était un temple dédié à l'amour, quelque chose comme ça. Et là on se retrouve avec l'après-séisme, je pense. Et du coup le lac, il n'y a plus de lac et il n'y a plus de temple au milieu, quoi. Allez, je pense que je vais aller là. Il y a une jolie terrasse. Allez, me voilà posé sur la terrasse de l'Aroma Café. Je suis pas loin, à mon avis, la salle de concert que je dois aller ce soir ou enfin, cet après-midi pour rejoindre Jagdish. À mon avis, c'est là. Voilà. Donc après, c'est noté en népalais, donc bien sûr, je sens que ça va être rigolo. Mais bon, je serai à l'heure, je vais tourner autour, j'arriverai bien à le trouver. Donc ça c'est l'entrée du théâtre. Et je viens de rencontrer le directeur du centre. Donc quand je lui ai parlé de Jagdish de suite, il m'a dit je le connais, c'est un acteur. Là du coup je vais manger ici là, c'est derrière cette porte là. Il y a une femme qui fait la cuisine. Du coup j'ai commandé des momos et je vous filme l'assiette et puis après je pense que prochaine vidéo, dans la seconde qui suit, ça sera la rencontre avec Jagdish. J'ai été servi, c'est super épicé, c'est la viande de buffalo. Ils m'ont donné de l'eau, je peux pas refuser, j'espère que je vais pas me choper la diarrhée. En tout cas, ça c'est super épicé, ça va tuer les microbes. C'est un régal. Ça y est les amis, Jagdish est arrivé. Il est enfin là. Hello. Bonjour à tous. Je suis très bien content que ce soir il est arrivé en Népal. Mais je suis vraiment désolé parce que j'étais très occupé pour les examens. C'est pour ça que je n'étais pas à robot. Mais je suis très très content, il est déjà arrivé. Et c'est moi là, je me suis débrouillé, t'inquiète pas. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Namaste, Danyavad. Vous
bonjour à tous. Nous sommes népalais. C'est lui qui est M. Bishnu Bhaktapriyal. Il est l'acteur très très grand pour les théâtres népalais. Ça fait 20 ans plus qu'il lui travaille comme l'acteur, le drama, les TV épisodes, avec les movies aussi. Je m'appelle Jagdish Adhikari. Je suis népalais et moi aussi. Je travaille comme monsieur cette drama et ça vient je crois. Merci beaucoup. Nous voici partis avec Bokun. Merci Bokun. Bokun, c'est son prénom. Et il vient me faire voir l'instrument duquel il joue. Alouette, gentillette, alouette, je te plumerai. Alors voici des personnes qui ont formé une association pour les gens de petite taille. Ils sont natifs du même village que Jagdish et sa famille. Et donc on vient de réaliser une petite interview. Bon là c'est en népalais, ça sera pour Jagdish. Sur le sujet qui présente un peu l'association. Voilà, on vient de faire une petite interview, c'était vraiment très sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. You're welcome. Bon, mais la pièce vient de s'arrêter parce que le vieil acteur que vous avez vu tout à l'heure, que Jagdish vous a présenté, il vient de faire une sorte de crise cardiaque ou quelque chose comme ça, et je rigole pas, c'est vraiment vrai. Moi je croyais que c'était dans le rôle, et en fait il se trouve qu'il a vraiment fait une crise cardiaque. Donc je sens que là la journée va être bouleversée. Elle me disait que c'était vrai. Moi je voulais pas le croire, j'ai dit non je veux pas te croire, je pensais qu'il me faisait une blague, et en fait c'est pas du tout une blague. Hello. Bon, mais c'est un moment un peu choquant là, on a passé un moment bizarre, on sait pas du tout ce qui lui est arrivé. À mon avis c'est une crise cardiaque, et du coup c'est le monsieur que vous avez vu, que Jagdish il a interviewé juste là-bas, et qui nous a fait une petite partie en français où il nous a expliqué la carrière de ce monsieur. Voilà. Petit update pour finir cette vidéo. Sachez qu'en tout cas j'ai passé une très bonne soirée, j'ai été manger enfin un dalbat, le plat traditionnel. J'ai rencontré une Française qui était somme toute très sympathique. Du coup on a passé le repas ensemble, et puis ensuite je suis rentré à l'hôtel pour pouvoir monter la vidéo. Ensuite, des nouvelles du monsieur. Ben, ce monsieur, malheureusement, il est décédé hier soir. Voilà, il y a l'article ici. Donc malheureusement, ce monsieur... Malheureusement, ce monsieur est décédé hier, donc suite à une crise cardiaque. Et son nom, du coup, c'est Bishnu Bhaktapriyal. Donc, je vous mettrai son nom dans la description si vous voulez vous renseigner dessus. Bon, voilà. Donc, du coup, il a quand même eu un article dans le journal local de Himalayan Times. Donc, c'est quand même bon. C'était quand même quelqu'un de connu, quoi. Donc ben, je suis bien heureux de l'avoir rencontré. Du coup hier ça nous a fait passer un petit moment un peu bizarre. Hier soir j'ai envoyé les photos à Jagdish, de toutes les photos que j'avais de lui. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Moi aujourd'hui je vais encore logiquement retrouver Jagdish. Bye.